Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous évoquer un sujet bien spécial. Voyez-vous, le 6 au 9 septembre 1914, un général envoie sa 6e armée pour combattre la progression des Allemands. Mais arrêtons-nous là. Et si ce général n'aurait pas envoyé son armée? Et si l'Allemagne aurait gagné cette bataille de la Marne? Le monde d'aujourd'hui serait-il le même? Connaîtrons-nous encore ces batailles terribles qui se passent en ce moment même? Nous le saurons dans quelques instants. Tout d'abord, ce général n'aurait jamais envoyé cette bataille... son armée. Et les Allemands auraient continué leur progression. Ils sont à 50 km de Paris, 10 km de Paris, 5 km de Paris, 3 km de Paris. Et le 8 septembre 1914, ils sont à Paris, dans les rues, ils mettent les poteaux frontières, lèvent leur drapeau. Ils sont fiers, mesdames et messieurs, fiers. Le 9 septembre 1914, la France capitule. 10 septembre 1914, c'est tour des Britanniques qui lèvent le drapeau blanc. 22 juin 1914, la Triple Entente signe le traité de Reich avec les Allemands. Et le 30 décembre 1915, l'Allemagne obtient toute l'Europe, ainsi que toutes ses colonies. Toutes ses colonies, mesdames et messieurs, vous imaginez? C'est énorme, mesdames et messieurs. Et en 1917, la Russie demande la paix avec l'Allemagne. 1918, l'Allemagne devient un empire, annexe la Chine, et le Japon devient un ami fidèle de ce terrible empire. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Non, loin de là. Le 30 avril 1920, la Russie est combattue au nord, à l'est, l'ouest, sud, de tous les côtés. Les Français sont terribles. On compte des milliers et des millions de morts. Pour les Allemands, il faut attaquer rapidement et massivement. Que faire? Que faire? C'est vraiment très heureusement pour les Allemands, ainsi que pour les Russes. 2 ans plus tard, la Russie est battue. C'est un exploit. Mais néanmoins, il reste peut-être un espoir. Peut-être que les États-Unis pourraient combattre ce terrible empire. Mais devraient-ils abandonner ou bien combattre ou bien lutter? Ah, mesdames et messieurs, mais ceci est une autre histoire. Néanmoins, laissez-moi un peu vous dire quelques faits. Tout d'abord, Hitler, oui, Hitler avec ses crimes inoubliablement et ses crimes terrorisants, historiquement, n'aurait jamais vu le jour dans le pouvoir, car le peuple n'aurait jamais voté pour lui, car, évidemment, l'Allemagne ne serait pas une démocratie, mais plutôt un empire. De plus, l'anglais ne serait guère une langue internationale. Et ce serait plutôt l'Allemagne. On parlerait allemand dans la langue 1, et non anglais. Et enfin, mesdames et messieurs, et oui, les guerres comme celle de Chine, d'Inde, d'Indonésie, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, n'auraient jamais vu le jour, car celle-ci obtiendrait à l'Allemagne. Et enfin, et surtout, mesdames et messieurs, la guerre avec l'Ukraine et la Russie, qui sont nos terres en ce moment même, et que des milliers et des millions de morts sont à déclarer, à notre époque, au XXIe siècle, n'aurait jamais vu le jour. Et oui, ces territoires auraient appartenu à l'Allemagne. Ah, mesdames et messieurs, on peut très bien dire que le moindre faux pas peut être fatal.